Allez, tu veux dessiner ce petit V là? Tu as cliqué sur la bonne vidéo. Tu veux affiner ta silhouette? Tu as cliqué sur la bonne vidéo. Tu veux avoir un ventre plat? Tu as cliqué sur la bonne vidéo. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Fitness Pierre Voisin pour ce cours abdo accessible à tous. Et oui, pour ce cours, vous aurez besoin d'un tapis seul. Allez, vous êtes chez vous, tranquille. Alors, si vous n'avez pas de tapis, cliquez sur le lien dans la description en bas. Et en plus, ça permettra de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et alors, on se met sur le dos, c'est parti. Les jambes au-dessus de vous à 90 degrés. À 90 degrés, pourquoi? Ça permet de plaquer les lombaires et d'être en sécurité. On est en sécurité, position de chaise renversée. On va mettre les mains de chaque côté, les bras de chaque côté, et on va travailler le haut du grand droit, le haut des tablettes de chocolat. Donc on lève le buste et 8 petites pour la première fois. On vient toucher les chevilles, 1, et vous soufflez à l'effort, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et stop. Allez, ça a été. Allez, posez le buste. Toujours les jambes à 90 degrés au-dessus de soi. Hein, et on va garder la jambe gauche à 90. Tu vas tendre la jambe droite 90. Tu ramènes. Et pareil, 8 fois en soufflant à l'effort. Allez, 8 fois, tu ramènes. Tu alternes gauche-droite. 1, 2. Tu peux poser le buste. 2. Hein, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et stop. Allez, reviens les jambes au-dessus de toi à 90 degrés. On recommence encore cette phase de travail. Donc, les deux mains de chaque côté, on vient toucher les chevilles. Haut du grand droit, haut des tablettes de chocolat. On souffle. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8 et stop. Allez, tu relâches, repose le buste, tout va bien. Et encore une fois, allez, alterne gauche-droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et stop. Allez, repose. Allez, là on a fait partie haut du grand droit, c'est pas fini. Hein. On va faire la partie bas du grand droit, donc bas du grand droit, bas des tablettes de chocolat. On va poser les bras, hein, les bras près du corps, les bras sont ancrés au sol. On pose le buste. Allez, vous mettez les talons près des fesses et vous levez le bassin. Vous levez le bassin, tu le décolles, il n'y a pas besoin de le décoller, hein. Pas besoin de le décoller très très haut, juste à peine tu le décolles un peu ça suffit. Et 8 fois, 1, 2, 3, 4, et souffle, hein. 5, on souffle toujours à l'effort, encore 6, 7, et 8, et stop, repose. Allez, tu reposes, tu poses les pieds, tu poses le buste et on alterne avec un autre exercice toujours sur le bas du grand droit, bas des tablettes de chocolat et pédale. Donc tu pédales, tu tends la jambe gauche et tu pédales. Allez, dans le vide, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, relâche. Allez, tu peux poser, souffle, récupère. On recommence cette phase de travail. Donc les jambes au-dessus de toi. Donc la position 1 de sécurité, je le répète. On pose les talons, les bras ancrés au sol et tu lèves 8 fois le bassin. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et stop, tu reposes. Allez, les jambes à 90, pose le buste et pédale. Allez, pédale, allez, pédale, allez, pédale comme le dimanche matin là à vélo. Allez, on travaille toujours le bas des abdominaux, le bas du grand droit. Allez, souffle bien,
souffle, souffle. Allez, tu es solide et serre bien son cou. 1, les abdominaux, tes tablettes de chocolat. Allez, encore 4, 3, 2, 1 et stop, tu relâches. On a fait haut du grand droit, on a fait bas du grand droit. On va faire la taille. Donc la taille. On est toujours les bras ancrés au sol, hein, les bras plaqués au sol. On pose le buste. On pose le buste et on va amener les jambes pliées à ras du sol. Côté droit, tu reviens milieu et côté gauche. Voilà. Et les épaules sont plaquées au sol. C'est les épaules le plus important et les bras plaqués au sol. Et tu alternes 8 fois. Encore 2, 3, 1, je le répète, souffle à l'effort, 4, 5, 6, donc là on travaille tout le côté, hein, tout le côté du corps, taille oblique, et stop, relâche, allez reviens les jambes au-dessus de toi à 90 degrés, les jambes sont au-dessus de toi à 90 degrés, tu vas venir lever le buste, incliner, toucher la cheville côté droit et l'autre côté, incliner, toucher la cheville côté gauche avec ta main. Si tu peux venir toucher la cheville, c'est bien, hein. Si c'est un peu avant, c'est bien aussi, hein. Ça travaille quand même. On est toujours sur la taille. Donc, on commence, on en fait 8. Allez, ensemble, en 4, 3, 2, 1. Allez, 1. 2, ah, je le répète, hein, souffle bien, allez on souffle à l'effort, allez 3, 4, donc taille oblique, 5, 6, 7, et 8, et stop, repose, allez on le refait encore une fois, pose le buste, les jambes à 90 degrés au-dessus de toi, et tu poses. Côté, à ras du sol, tu reviens, milieu, côté, encore, allez, 1, et souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et stop, repose. Enfin, repose. Garde les jambes au-dessus de toi à 90 degrés. Le fait de garder les jambes au-dessus de soi à 90 degrés et de poser le buste, hein, comme ceci pendant les phases de récupération, on garde quand même un impact, hein, dans vos abdos. Donc pendant les phases de récupération, vous posez le buste. Tu souffles, tu gardes les jambes comme ceci et vous donnez un impact dans les abdos, ça travaille quand même. Allez, les deux bras de chaque côté, tu lèves le buste, tu inclines, côté, tu viens toucher avec ta main la cheville ou un peu avant, hein, ça travaille. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et stop, relâche, allez, soufflez, récupérez, tu poses les pieds, tu viens t'asseoir, allez, profite pour boire, hein. Et on va faire un peu de gainage, donc là on va faire vraiment les muscles profonds des abdos, donc c'est ce qui soutient vraiment le dos, c'est ce qui permet d'avoir le ventre plat, allez, on se met en appui sur les coudes, on se met en appui sur les coudes, sur les orteils, tu tends les jambes et tu poses les genoux. Tu regardes à 10 cm devant toi, tu regardes à 10 cm devant toi et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, tu relâches. Tu vas venir côté,
les jambes pliées. Je vais bien me caler, on se positionne bien, je vous attends à la maison, hein, allez-y. Le coude, le bras au-dessus, voilà, de l'épaule, les jambes pliées, et tu vas juste lever les fesses. Tu lèves les fesses et tu tiens un. Là, on gaine tout le côté, taille oblique, et on tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, tu relâches. On va revenir en gainage face. Donc tu te remets en gainage sur les coudes, gainage sur les coudes. Tu vas tendre les jambes, tu poses les genoux, tu aspires. Hein. Aspire bien le nombril vers la colonne vertébrale. Tu regardes à 10 cm devant toi, tu es solide, tu es une planche bien solide, tu bouges pas. Et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Allez, on va gainer de l'autre côté. Donc là, pour ma part, j'ai gainé côté droit. Là, je vais gainer côté gauche. Allez, mettez-vous en place, hein. Donc, je répète, l'avant-bras, hein, vraiment au-dessus de l'épaule. On a les jambes pliées comme ceci. Vous mettez les jambes 90, vous les pliez et on lève juste les fesses. Donc, vous levez les fesses, vous pouvez lever le bras et amener le bassin vers l'avant. Hein, ça permet d'avoir le dos droit. Et on tient 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, et stop, relâchez. Allez, reposez. On va faire une dernière phase de travail, hein, sur vos abdos. Alors, vous soufflez, profitez pour boire. Hein, pendant que vous buvez, vous récupérez. Et après, vous revenez sur le dos. Allez, on revient sur le dos, les jambes au-dessus de vous, hein, à 90 degrés. On pose le buste. Allez, on se place bien. Je prends mon temps, je vous attends. Allez, on met les doigts au niveau de l'arrière des oreilles. Et on vient toucher avec le coude, les genoux. Et petite, vous en faites 8, hein, 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et stop, repose. On pose pas, on garde, on pose juste le buste, on garde les jambes au-dessus de soi à 90 degrés. Hein. Allez, encore une fois. On met les mains au niveau de l'arrière des oreilles. Hein. On entremêle pas, hein, parce qu'on a tendance souvent, hein, quand on débute, à mettre les doigts entremêlés, tenir la tête comme ça. Les doigts sont juste comme ceci, à l'arrière des oreilles. Et là, coude droit va venir, hein, genou gauche. Et le coude gauche va venir, genou droit. Cela permet de travailler la taille et un peu le grand droit. Et on alterne 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez bien, et encore une dernière, et 8, c'était gratuit, allez, on pause, et on refait cette phase de travail, allez, les jambes toujours au-dessus de vous, donc à 90 degrés, lombaire, donc un plaqué, on remet les doigts derrière les oreilles, et on lève le buste. Et petite, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, tu relâches. Allez, pour finir, on va essayer un peu plus compliqué. Hein, un peu plus compliqué, on va tendre la jambe droite au sol. On va
mettre la jambe gauche au-dessus de soi, tendez, vous levez les bras au-dessus de vous et vous essayez de venir toucher le coude pied, ça c'est vraiment compliqué, sinon le tibia hein, c'est accessible. Et petite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Tu poses ta jambe gauche, tu tends ta jambe droite, les deux bras, allez, souffle, en haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et stop, repos. Allez, pose les pieds, et on va terminer par du gainage. En appui sur les mains. Donc soit tu tends les jambes, ça c'est l'option vraiment difficile, soit tu peux mettre, tu peux poser tes genoux, mais amène un peu plus tes mains devant. Tu amènes tes mains devant et aspire vraiment le nombril vers la colonne vertébrale. Ça gaine tes bras et ça gaine aussi, ça gaine le ventre, le transverse, ventre plat, hein, les amis. Allez, je vais le faire compliqué. Donc tu tends les jambes, aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Regarde à 10 cm devant toi et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, relâchez. Allez, on se met sur les genoux, vous posez les fesses sur les talons. Vous allez chercher loin pour étirer le haut du dos. Les étirements sont très importants. Et ça, relâche. Allez, tu vas mettre les mains largeur d'épaule. Tu vas tendre tes jambes derrière. Posez le buste. T'es pas obligé de tendre complètement les bras. Tu souffles. Tu lèves le buste et là tu étires ton rang droit, tes abdominaux. Et souffle, regarde loin devant toi et le bassin est plaqué au sol, les jambes tendues. Allez, tu reposes et tu vas encore pousser sur tes mains et les fesses sur les talons. Allez, relâche. Allez, on va venir en appui sur les orteils, les fesses sur les talons. On va dérouler vertèbre après vertèbre. D'abord les lombaires, dorsaux, on termine par les cervicales. Tu inspires, tu grandis, tu vas chercher haut, expire, relâche. Allez, on passe la jambe par-dessus l'autre et vous allez chercher en haut le coin de la pièce qui décale le bassin pour étirer votre taille. Et relâche. Allez, de l'autre côté, tu mets la jambe par-dessus l'autre. Allez, va chercher en haut le coin de la pièce. Et stop, relâche, reviens. Allez, encore une fois, pied largeur de bassin, largeur de hanche, inspire, grand cercle. Allez, va chercher haut, 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 expire, et relâche. Allez, merci à vous, j'espère que ce cours vous a plu. Hein. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment une communauté de sportifs déterminés, on est de plus en plus. Alors pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à interagir. Si ça vous a plu, et sur ce, ben, prenez soin de vous et ciao bisous.